Salut à tous, c'est Darkside et bienvenue au Camp Nou pour assister à la finale de la Champions League 1999, une finale qui va opposer le Bayern de Munich emmené par Lothar Matthäus et Eddie Bergkamp, car c'est le capitaine, à Manchester United de Peter Schmeichel et David Beckham. C'est une finale attendue, c'est une finale de rêve dans un écran magnifique et le stade du Camp Nou. Et écoutons l'hymne de la Champions League. Les Allemands contre les Anglais, c'est un classique. Le Bayern d'un côté, Manchester de l'autre. Le Bayern qui évoluera avec ce maillot gris et Grona face aux Red Devils. Alex Ferguson qui joue véritablement en rouge. Une équipe en 5-3-2 côté Bayern avec les latéraux offensifs qui sont Tarnat et Babel. Le Matthäus qui jouera au poste de libéraux devant Zidler et Younger. Côté Manchester, c'est les Billy Boys, Beckham, Nicky Butt, Ryan Giggs, Gary Neville, encadré par des joueurs d'expérience comme Peter Schmeichel ou encore Gerstam, le Hollandais. Une finale donc qui s'annonce palpitant entre ces deux équipes. Et c'est parti, voilà le Bayern qui a le ballon avec Tarnat. Donc qui se retourne, attention, et derrière une frappe terrible et la parade de Peter Schmeichel, voilà. Voilà une finale bien lancée, première offensive et première frappe puissante signée Mario Basler ou Alexander Rüdiger. Ça s'est passé très vite. En tout cas, le Bayern tout de suite dans le coup. Pour cette touche. Marcus Babel avec Lothar Matthäus. Matthäus, Babel. Il essaie de prendre de la vitesse et il n'est pas attaqué. Marcus Babel. Le ballon sur le côté pour Zickler. Centre de Zickler, ça a été contré. Yabstan qui peut relancer avec le Suédois Blomqvist. Cole, il a vu sur le côté Dwight York. Dwight York, pas beaucoup de solutions. Berg s'est dégagé là par Luke. Récupération de Nicky Butt. Denis Erwin. Nicky Butt, York n'est pas en jeu. Andy Cole, la talonnade et le but. Le but d'Andy Cole dans cette finale. L'ouverture du score, et elle est magnifique cette ouverture du score par l'ancien attaquant des Blackburn Rovers et de Newcastle, Andy Cole. Ouverture du score pour les Red Devils, on va revoir ça à ralenti. Il y a un geste magnifique vraiment d'Andy Cole. Il y a le temps d'amortir et de faire une petite talonnade qui trompe Oliver Kahn et York, il n'est pas en jeu. Et là, il y a vraiment une erreur de marquage. Regardez, hop, du talon. C'est un but du talon. En tout cas, voilà une finale qui démarre vraiment bien. On a eu une première frappe terrible, bien repoussée par Schmeichel. Voilà qui va bien décanter ce match. En tout cas, le Bayern déjà obligé de courir après le score. Cole. Avec Denis Erwin. Irlandais. Erwin en retrait. Yabstam. Erwin. Et ballon sur le côté. C'est bien repris là. Avec le Jeremys. Qui lance devant. Bien sûr, on va chercher le grand Carsten Janker, le colosse. Je laisse à Blomqvist. Cole qui trouve un York. Le
prise de vitesse. Allez, Mario Basler. Essayez de mettre à jouer cette équipe du Bayern. Basler et Fender, la frappe magnifique là de Zickler. La parade de Peter Schmeichel. Il est présent, le capitaine, le danois de l'équipe de Manchester. Et encore un ballon sur Dwight York, sur le côté. York qui résiste, York qui va pouvoir s'entraîner dans ses replis. Il va obtenir quand même le corner. En tout cas, il n'y a pas eu de rente d'observation. Allez, corner à suivre. David Beckham, forcément, pour tirer. Tous les coups de pied arrêtés côté de Manchester United. Et Basler qui peut relancer. Mauvaise relance. Et c'est récupéré. Attention, peut-être une position de frappe au dans la surface de réparation. Cole. Oh, qui se balade là. C'est pas dégagé. Vraiment un problème de lenteur dans cette défense du Bayern. Darmat. Darmat, ancien joueur de Karlsruhe, avec Jancker, Jancker pour Basler, Basler. Avec Effenberg, position de frappe, la frappe d'Effenberg. Et encore une parade de Peter Schmeichel, en tout cas, dès qu'ils sont en position, les joueurs allemands, eh ben, ça n'hésite pas à frapper de loin. Ce sont des spécialistes, il y a vraiment des gros frappeurs, hein. Basler, Effenberg. Et côté de Manchester, on joue placé avec cette tête de Cole, sans problème, Oliver Kahn. Une demi-heure de jeu, le Bayern est mené, but de Ngukol après 5 minutes de jeu. York, encore une balle pour Cole qui rentre dans la surface. Ballon retrait, la pause, c'est à côté. Quelle opportunité pour le Gallois Ryan Giggs. Et encore une fois, la défense du Bayern qui se fait transpercer là. Regardez Cole, il aurait pu le tenter tout seul. Et Giggs qui ne cadre pas. Et pourtant, le Bayern, ils ont quand même trois défenseurs centraux. Kufur, Linke et Matthäus. Allez, frotter. Frotter le carton. Le carton pour Mario Basler. Sur Nicky Pott. Ouais, en retard. Il n'y peut-être pas le carton jaune. En tout cas, voilà le premier carton de la partie. David Beckham. C'est une position de frappe là. Ça a été repris, la blonde twist. Zickler. Zickler pour le grand Karsten Jancker. Même il n'a pas de solution. Pas de solution, il se fait reprendre. Car c'est vrai qu'en vivacité, Karsten Jancker. C'est pas le perdreau de l'année, voilà encore une faute là. Oui. Attention, 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 Mario Basler. Il allait bien d'être averti. Oh là 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 là, oui. Oh, le deuxième carton jaune. Synonyme de carton rouge, c'est sévère. C'est très sévère, mais le Bayern qui va se retrouver à 10 après 35 minutes de jeu pour cette deuxième faute de Mario Basler. Pied en avant. C'est dur, très très dur pour le Bayern. Mené 1-0 et qui se retrouve donc à 10 contre 11. Mais attention, c'est une finale qui est vraiment sous les mauvais auspices là pour les joueurs bavarois. Du coup, c'est Effenberg qui va sans doute monter un petit peu plus sur le terrain. Jancker. Jancker, il va obtenir le corner. C'est la même balle. Allez, peut-être sur coup de pied arrêté pour les joueurs du Bayern avec Effenberg. C'est mal tiré. Surface de réparation, Jancker, il n'a pas réussi à se retourner. Blomqvist, c'est bien joué là. Et Cole et York là, qui s'entendent comme larron en foire là-devant. York toujours, et c'est la pause. C'est la pause sur ce score de 1-0. C'est le Bayern qui a tiré au but, mais c'est Manchester qui a marqué dans cette première mi-temps. Changement forcément, quelques remaniements du côté du Bayern. Stavljanovic et Finke sont rentrés. Matthäus du coup est sorti. Forcément, il faut marquer. Ça sert à rien de rester. Trois défenseurs centraux. Et Nicky Bott là qui se fait avertir d'entrer dans cette seconde période. Thank you.
piqué trop vers le centre, les joueurs du Bayern. Le cadre avec Gary Neville. Gary Neville, il a un boulevard devant lui, il a levé la tête. Allez, un bon centre peut-être. Oui, la reprise. Oui, la belle reprise de Solskjaer. Mais ça a été repoussé. Belle opportunité en tout cas pour les joueurs d'Alex Ferguson. Avec l'entrant Ole Gunnar Solskjaer, qui a remplacé le buteur Andy Cole, tout comme Teddy Sheringham a fait son entrée également. Côté de Manchester. Tarnat qui joue avec Dunker, mais oui. Il est repris. Et derrière, les joueurs de Manchester, bien sûr, ont des espaces. Solskjaer, le Norvégien, Solskjaer, c'était tenté là pour David Beckham, ça a été compris. Et c'est relancé. Finale 1999 de la Ligue des Champions. Qui se joue donc sur PlayStation 4, PES 2018. Vous avez l'habitude maintenant, on se refait. Les finales européennes, C1, C2, C3, sans distinction. Avec les compos d'époque, ainsi que les kits d'époque. Sur Ryan Giggs, dans la surface de réparation, il a trop attendu. Et Oliver Kahn, serein, qui relance ce ballon au pied, car il ne faut pas le perdre. Il faut essayer de convertir. Une occasion en but côté de Bayern, et nouveau carton. C'est pour Ronny Johnsen, le Norvégien, indiscutable à duel de gros gabarit là, entre Jonker et Johnsen. Pour l'instant, le Bayern qui ne trouve pas la solution, mis à part des tirs lointains, le Bayern malheureusement n'arrive pas à percer cette défense anglaise. Fink, Guy. Compliqué hein, avec Carsten Janker. Un joueur très très rapide. C'est un buteur. C'est un joueur de pivot. Bon, pour relais là, Giggs. Il va lui remettre. Double 2 entre Giggs et Neville. Neville tout seul. Oh, il a choisi le premier poteau. Gary Neville. Mais Oliver Kahn avait tout compris. En tout cas, double 2 là, entre Giggs et Gary Neville. Regardez. Même dans le petit filet, cette balle, en tout cas Oliver Kahn l'a sorti. Et ça donne une nouvelle occasion pour les Red Devils avec un corner pas très bien tiré par David Beckham, là, une balle un peu flottante, pour retomber follement devant le but. Beckham, Beckham, oui. Là, il a pris un bon tacle et un nouveau carton, c'est pour Tarnat. Je vous rappelle que le Bayern évolue à 10 après l'expulsion à la 37e minute. De Mario Basler, son meneur de jeu. Beckham. Bon, c'est bien joué, ça encore Gary Neville dans la surface de réparation, bien repris, heureusement. Solskjaer, Beckham sur le côté. Irwin, la frappe de Denis Irwin, elle est belle. Bien captée par Kahn. Et il faut se dépêcher, le temps presse, on est déjà dans le dernier quart d'heure et le Bayern est toujours mené 1-0. But Andy Cole à la 5e minute de jeu. Sheringham, le centre tendu. Il a bien joué là, Oliver Kahn, vigilant, le capitaine du Bayern. Heureusement impuissant dans la construction du jeu. Et c'est là que le Bayern pêche, car à chaque fois, ils viennent se perdre dans l'entonnoir de la défense mancunienne à York. Whitehorse, il est bon ce ballon. Bien sorti Oliver Kahn. Pardon, des opportunités en cette seconde période pour les joueurs de Manchester. C'est bien compliqué pour les Bavarois. On le sent, il n'y a pas de solution. On ne voit pas beaucoup Stéphane Effenberg, qui est censé prendre le jeu à son compte. Et Kahn. Solskjaer, pas de solution. Oui, il a vu sur le côté la montée là, de Giggs. Centre de Giggs qui va obtenir le corner. Et le temps qui passe. Le temps qui passe pour les Mancuniens à 5 minutes maintenant de remporter cette Coupe des Champions. Corner mal tiré, c'est le deuxième pour David Beckham. Il s'est levé très haut là, Johnsen.
salut Fitch, salut Jeff Lurie. Le cœur, hein, il n'a pas pu se retourner. Beckham devant. Solskjaer qui va se battre. Il reste 2 minutes à jouer. Même le Norvégien, il se bat. Allez, il aura encore une opportunité. Alors que les supporters de Manchester commencent à chanter. Allez, encore. Ah, il y a une faute. L'arbitre l'a joué. Scholl, Scholl, la frappe de Mehmet Scholl. Eh non, c'est pour Schmeichel qui dégage loin devant. Et c'est terminé. C'est terminé. Manchester est champion d'Europe 1999. C'était Darkseid. À bientôt.